What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Programme avec moi, split. On va travailler le dos et les biceps aujourd'hui. 4 exercices, 2 dos, 2 biceps. Prépare-toi aux haltères. On va faire ça bien. Premier exercice, rowing aux haltères. Pour faire le bon mouvement, petit rappel, on met les fesses en arrière, on garde le dos droit. Et hop, on monte. On prend les haltères en pronation. Si on les prend en supination, on aura un plus gros ressenti sur les biceps. Et quand on va faire les biceps après, c'est pas important de faire ça aujourd'hui. Mais pour complexifier le travail, on va se faire 10 reps en pronation et 10 reps en neutre. Donc, 10 reps en pronation et 10 reps en neutre. 10-10, ok? On commence par le pronation. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, neutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hop. Le chrono. Rowing. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Là, tu vois, j'ai un programme dos épaule. Enfin, j'ai un programme dos biceps, pardon. Et un programme dos épaule. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans dos épaule, là on va faire le rowing, pronation et supination. Ok, faut être intelligent. Faut vraiment être intelligent. Faire les choses bien. C'est important. Sinon, toi j'espère que ça va, que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, que tu avances dans tes projets. Moi là ça va. C'est une journée où je suis en forme. Je te fais plusieurs programmes pour le mois d'août. Et puis voilà, on va essayer d'aborder plusieurs thèmes différents de discussion dans nos vidéos. Parce que oui, si t'as pas l'habitude de faire des programmes avec moi, ben on discute, on parle ensemble, on rigole. Des anecdotes, des choses qui arrivent et qui se passent dans les vidéos. Moi, je prépare mon déménagement. Pour l'instant, ça se passe bien. Partir à Saint-Étienne, si tout va bien, au mois de septembre, je me barre. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte et j'espère que ça va bien se passer. Ça c'est le plus important. C'est la deuxième, on y va, c'est parti. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neutre. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 2. 1 minute 30 de temps de repos. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de partir. J'ai hâte de changer d'air, de changer d'environnement, d'être plus reposé et quitter Paris. Paris, c'est stressant. Donc, voilà, on va partir et je te dirai, là-bas, je sais pas quel genre de contenu je pourrais te proposer. Parce que je vais devoir quitter les On Air Fitness pour aller dans des Basic Fit, les gars. Basic Fit, tu vois, les salles Basic Fit, c'est... Ah, les gars, c'est incroyable. Bosser à Basic Fit, c'est dur. C'est dur. Certains Basic Fit, il n'y a pas de 60 kg en haltère. Il n'y a pas de 50 kg. Je suis rentré dans des Basic Fit où ça s'arrête à 36 kg par haltère. Certains, ils ont des gros poids, mais la plupart, surtout en province, c'est dur. C'est dur, je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir prendre des haltères avec du scotch. Tu vois? Je vais voir. Mais bon, j'ai Lyon à un côté, à 1 heure. Si jamais l'envie me prend d'aller à Lyon, on verra. Pour aller à Lyon, il faudrait une bonne voiture. D'ailleurs, en parlant de voiture, j'hésite. Et j'aurai besoin de vous.
C'est un programme, mais on discute, donc j'aurais besoin de vous quand même, au niveau de la locomotion. Parce que j'ai des interrogations. J'aurais besoin de tout le monde là. On y va, c'est parti. Pour la troisième. Hop. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, on est ensemble. Huit, neuf, dix, prise neutre, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Très bien, très bien, très bien. On est bien, on est bien. Les gars, j'aurais besoin de vous. Je vais aller dans une ville où là où je vais habiter, ça sera en mode centre-ville. Tu vois? C'est en mode où, avec une voiture, c'est plutôt embêtant pour se garer. Mais bon, je peux prendre un box et ça, c'est pas un souci pour moi. À moto, c'est mieux en scooter. C'est mieux de se déplacer en scooter. Mais je serais peut-être amené à faire de longues distances, parfois une heure, enfin une heure aller, une heure retour, 2 heures de route. Pour ça, j'hésite. Ah, est-ce que je prends une voiture quelconque ou une moto? Une moto de type T-Max ou X-Max ou un truc comme ça, un 125 cm cube, histoire d'aller vite et d'être bien. J'hésite. Par contre, j'ai jamais fait de moto, je vais être honnête avec toi, j'ai un peu peur de la moto parce que j'ai pas mal de connaissances malheureusement qui ont perdu la vie ou qui sont infirmes avec ça. Et du coup, j'ai peur. Donc, je me dis soit moto, soit trois roues. Je sais pas. Déjà, je sais que les motards, tu leur dis ça, ils vont dire prends une moto, c'est mieux, passe le permis moto, trois roues, c'est nul. Mais objectivement, est-ce qu'un trois roues, c'est bien? Je veux avoir cette réponse, c'est important. Et là, on y va ou pas? C'est la dernière, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Prise neutre, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ok, on est bien. Je mets mon quatrième trait. Je vais prendre 2 minutes de repos, moi. Et on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice d'eau, on va faire du bûcheron. Aux haltères, tranquillement. Unilatéral. Donc là, c'est simple. Là, une main sur le banc ou sur la chaise, peu importe. On prend notre haltère. Je vais me mettre plutôt comme ça. On va balancer 10 reps d'un côté, hop, et 10 reps de l'autre. Tranquillement. Là, ça va être vraiment rapide, ça va être simple. On va se faire mal. Et puis voilà, hein. Puis voilà, tout simplement. On va quand même maintenir 2 secondes, parce qu'il faut se faire mal quand même. Si on fait juste le bûcheron comme ça, c'est bien, mais il faut qu'on se fasse mal. Donc bûcheron avec 2 secondes de contraction vers le haut, ok? On part dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. L'autre côté. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Ok, bûcheron 1. Hop. Ok, on est bon. 8 minutes 30 de repos. Donc j'hésite. Les gars,
J'hésite fortement entre voiture et trois roues. Ou alors, c'est pas grave, j'apprendrai le deux roues et je prendrai un deux roues, mais je roulais comme un vieux. Ok? Donc, je sais pas. J'ai besoin de vous. Pour tous les utilisateurs de voitures, enfin, j'ai déjà une voiture, tu vois. Mais voiture et moto, j'aimerais votre avis par rapport à ça. Ou même ceux qui ont les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont les deux. Est-ce que ça vous fait, est-ce que ça fait du bien d'avoir les deux, sachant que je serai dans la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes, je suis jamais allé là-bas, mais quand je vois la météo, je vois que là-bas en hiver il neige tout le temps. À Paris, la neige, c'est quelque chose qu'on connaît plus depuis 1900, je sais pas combien, tu vois. Nous, quand il neige, on est content. On est là, on fait des boules de neige, on snap, on crie dehors. Mais là-bas, c'est fréquent là-bas. Donc, la neige plus la moto, c'est incompatible. Vraiment. Donc, je sais pas comment je vais faire. J'ai besoin de vous. Vraiment besoin de vous. Sachant que je sais qu'à l'avenir, je prendrai une voiture. Mais là, l'autre problème, il vient avec la voiture parce que je sais pas quel type de voiture je vais prendre. Vraiment. Et là, on part. C'est la deuxième. Allons, on y va. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Quatre. Une, deux. Cinq. Une, deux. Six. Une, deux. Sept. Une, deux. Huit. Une, deux. Neuf. Une, deux. Dix. L'autre côté. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok. Hop. Deuxième. Oh. Je surveille ma batterie parce que je suis à une barre sur la batterie de la caméra. Faut que je fasse attention à ça. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas quel modèle je vais prendre en termes de voiture. Parce que j'ai envie de prendre une voiture électrique. Mais on m'a pas dit du grand bien sur ça, sachant que c'est cher. Et les voitures à essence. Plus tard, il n'y en aura plus, tu vois. Ou j'ai envie de prendre une voiture hybride aussi, mais pareil. Voiture, en fait, tout ce qui est hybride et non essence, non diesel, on m'apporte pas des bons retours à ça, tu vois. Et sur ça, ben, je suis perdu. Je suis perdu parce que je suis pas quelqu'un qui va rouler sur l'or non plus. Si j'avais été une personne qui roulait sur l'or ou un youtubeur à succès, là la question ne se poserait pas. Je prends n'importe quoi, dans tous les cas, je vais pas le sentir, tu vois. Mais là, je vais prendre quelque chose où je vais le sentir financièrement. Donc c'est là qui est dur. Et c'est là que vous pouvez intervenir parce que je pense qu'on se ressemble un peu financièrement parlant. Donc, j'hésite. Avec l'avenir, est-ce que c'est bien de rester sur de l'essence? Aller sur du diesel ou alors électrique. Sachant que moi, je m'y connais vraiment pas en voiture. Je m'y connais pas en mécanique. Et moi, je m'y connais en rien. À part la musculation et l'art. Je m'y connais en rien, c'est incroyable. On y va, c'est la troisième. Allez. C'est parti. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Allez, on y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux. 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10.
hop, troisième. Il nous en reste une dernière. Et on est bon. Ouais, je m'y connais vraiment pas en voiture. Je m'y connais vraiment pas, donc je sais pas. Il y a un modèle de voiture qui fait kiffer, mais le problème, c'est que ça coûte cher. C'est que moi, j'aime bien les voitures hautes, tu vois. Style Renault Arkana, tu vois. En fait, les voitures du style de la Renault Arkana, il y en a plein. Il y a plein de marques. Toutes les marques font des voitures de ce style-là. J'en veux une comme ça. Mais le problème, c'est que ça coûte cher, les gars. Ça coûte cher. Parce que moi, de base, je voulais un Range Rover, tu vois. Mais quand tu vois les prix de ça, tu vois ce que tu gagnes, tu vois ce que tu fais, tu te dis, bon, ben, une trottinette électrique, c'est bien aussi, tu vois. C'est pas mal, c'est moins cher. Et honnêtement, j'ai pas le style de vie pour entretenir ça. Je peux l'acheter, prendre un crédit et tout. Mais j'ai pas le style de vie pour l'entretenir. L'emmener au garage souvent, faire les réparations nécessaires, prévoir les trucs. Parce que quand tu achètes une voiture, tu prévois tout ce que tu vas mettre derrière. Essence, entretien, tu vois. Et si j'achète un bordel comme ça, c'est pour l'entretenir et le garder le plus longtemps possible. Vraiment. Donc, pour l'instant, j'ai pas le style de vie pour avoir ça. Peut-être qu'on va l'avoir plus tard, ou peut-être que non. On ne sait pas, mais on va se battre pour être bien. Pas pour avoir ça, mais pour être bien. C'est la dernière, on y va, on fait ça bien. Allez, on y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre, allez. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. 1, 2, 9, 1, 2, 10, l'autre côté. Et on va chercher bien en bas quand on descend. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok. Je mets mon trait. On est bon. On est très très bon. Tu peux prendre 2 minutes de repos ou 3. Tout dépend de toi. Et on passe au biceps. Pour les biceps, on va faire du curl biceps en supination. Toujours. Et on va se faire une technique différente. On va prendre nos haltères. Hop, hop, hop. Ça fait une. Ok. Donc là, uni plus les deux, une rep. Donc on va faire ça bien et à la fin, on va balancer 10 reps avec les deux parce qu'on est là pour se faire mal, on n'est pas là pour enfiler des perles, rigoler et tout. On est là pour se faire mal. Le tout, 4 fois avec une minute de repos, oui. C'est ça qui est bon. Donc on prend nos haltères et on part dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Hop, hop, une, hop, hop, deux, allez, hop, hop, trois, hop, hop, quatre, hop, hop, cinq, hop, hop, six, ah ouais, j'étais méchant, hop, hop, sept, allez, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop, 10, 10 reps normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais là c'est un délire, ah oh, c'est un délire. 1 minute 30, enfin 1 minute, pardon, de temps de repos, ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal. Ce qui fait le plus mal, c'est que là, tu vois, j'ai une barre. C'est-à-dire que si ma batterie, elle s'éteint, c'est terminé. Je devrais refaire cette partie-là. Et je la referai sans problème. Parce que je suis là pour avoir mal. Je suis là pour progresser. C'est important.
Ou alors, je couperai à temps comme un lâche et je vais reprendre les séries que j'ai pas faites. Ça, tu verras par la magie du cut. Si jamais il y a un cut, mais dans tous les cas, je te le dirai. Je te le dirai, je te le dirai. Mais ouais, au niveau de la voiture, franchement, c'est compliqué. C'est des choix qui sont durs à faire. Mais que je vais devoir faire parce que être que à pied, tu vois, c'est compliqué. Ne pas avoir la voiture, c'est bien, mais avoir la voiture, c'est mieux. Vraiment. On y va pour la deuxième. Allons, on y va. Allez. Hop. Hop. Une. Hop. Hop. Deux. Hop. Hop. Trois. Hop. Hop. Quatre. Hop. Hop. 5, pardon, hop, hop, 6, allez, hop, hop, 7, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop, 10, 10, les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. J'étais un peu embrouillé. Parce que je regardais trop mes bras dans le retour. Dans le retour, mes bras sont vraiment incroyables. Et ça m'a captivé. Je me suis fait, ah ouais. Franchement, toi, les bras, c'est trop. Faut que t'arrêtes de les faire. C'est incroyable. Mais ouais. J'hésite. Pour la voiture, j'hésite. Mais. Ou pour la moto d'ailleurs. Mais voilà. J'en appelle à votre aide. C'est important. Le permis moto, je vais pas le passer. Au cas où, si on me dit passe ce permis moto, c'est mieux. Je vais pas le passer. Ou du moins, je compte pas le passer. J'ai pas envie. Mais. Voiture, ouais. Permis bateau, j'ai vraiment envie de le passer. Ainsi que le permis bateau, apparemment, il est rapide à faire. J'ai vraiment, mais alors vraiment, vraiment envie de le passer. Parce que je suis captivé par l'eau et tout. Et il faut que je le passe. Bah oui. À mon CV, mettre permis bateau pour postuler en tant que caissier, c'est bien. Allons, on y va. C'est parti. Hop. Hop. Une. Hop. Hop. Deux. Hop, hop, 3, hop, hop, 4, hop, hop, 5, hop, hop, 6, allez, hop, hop, 7, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop. 10, allez, 10 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, il en reste une. Franchement, ça fait mal, hein. Là, j'aime pas mes lourds. Ça fait mal. Mais c'est bien. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on veut. Après cette série-là, j'ai changé la batterie de ma caméra. Parce qu'on a filmé quoi? On a filmé trois programmes avec. Un, deux. Là, c'est le troisième qu'on fait. Je vais switcher les batteries. Et au moins, on sera bien. On pourra continuer à travailler tranquillement. Je sais même pas si je te l'ai dit dans cette vidéo, mais j'espère que tout va bien. T'as passé une bonne journée, tu passes une bonne journée. Que tu avances dans tes projets, dans tes objectifs. Moi, là, pendant ces programmes-là, ben, juste à la coupure du. Enfin, juste avant de commencer ce programme-là, il y a un footballeur, un gardien de Ligue 2, qui m'a envoyé un message pour des vidéos, des projets. On va faire des petites vidéos avec lui, pardon. Donc, c'est pas mal, c'est bien. On va voir ce que ça va donner. C'est parti, c'est la dernière. Allez, hop, hop, une, hop, hop,
2, hop, hop, 3, hop, hop, 4, allez, hop, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10, 10 les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai fini à temps parce que là, ma batterie est en train de clignoter, se dire que ça va être la fin. Prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice, biceps. Et ma deuxième batterie, elle m'a fumé. Incroyable. Le temps que je la mette et tout. Le truc, il voulait pas marcher. Mais bon, dernier exercice, curl, biceps en prise, marteau. On va faire la même chose. Hop, une rep d'un côté, une rep de l'autre. Et une rep avec les deux. Et à la fin, hop, 10. Ok? Hop, hop, une et jusqu'à 10. On va se mettre bien. On va se faire mal. C'est parti. On y va. Le tout, 4 fois, on part en 5. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, hop, 1, hop, hop, 2, hop, hop, 3, hop, hop, 4, hop, hop, 5, hop, hop, 6, hop, hop. 7, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop, 10, 10 les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien entendu, avec une seule minute de temps de repos. Oui, les gars, ça qui est bon. Là, mes plans, mes projets pour ce mois d'août, comme j'ai arrêté mon CDI en sécurité transport, je l'ai arrêté plus tôt que prévu, parce que je vais me faire beaucoup plus de sous avec ce que je fais, la vidéo. Pas ce que je fais sur YouTube avec les programmes, mais ce que je fais dans mon métier, c'est-à-dire de filmer les autres personnes, d'écouter les projets des autres et de les filmer, que ce soit pour des vidéos YouTube, pour des vidéos d'entreprise, ou alors des vidéos d'influence ou de projets en tout genre liés à l'image. Donc voilà, je filme d'autres personnes, je prends un peu de sous et je suis bien. Si tu as moins de définition musculaire, c'est normal, j'ai mis un peu plus de lumière, parce que là, ça assombrit d'un coup. Mais je suis balèze, t'inquiète pas. D'accord? Ça, c'est important de le préciser. Et on repart, c'est parti. Allez. Hop. Hop. Une. Hop. Hop. Deux. Hop. Hop. Trois. Hop. Hop. Quatre. Hop. Hop. Cinq. Hop, hop, 6, hop, 7, allez, hop, 8, hop, 9, hop, 10, 10, les deux, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 2. Il en reste 2. Et on est bon. Ouais, je vais me faire beaucoup plus de sous qu'un CDI en filmant d'autres personnes. Parce que là, voilà. Tu te déplaces. Tu fais ton billet tout de suite. Après, tu te déclares à l'URSSAF. Mais bon, même si que tu te déclares, tu vas quand même te faire plus de sous qu'un CDI. Et tout dépend
combien tu gères, tout dépend comment tu fais, comment tu procèdes, mais ça va très très vite. Sachant que le mois d'août, c'est un mois stratégique pour ceux qui lancent leur business, parce que les gens préparent la rentrée, ils préparent tout ça, et pour préparer la rentrée de la meilleure des façons possibles, il faut être productif pour ce mois d'août. Parce que là, c'est un peu le mois du relâchement pour les consommateurs et le mois de la préparation pour ceux qui créent. C'est pour ça que là, nous, on fait du sport, on se prépare pour être balèze, pour être bien à la rentrée ou pour être bien toute l'année, on se prépare dès maintenant. C'est important. C'est parti, c'est la troisième. Ça passe vite, une minute. Allez, hop, hop, une, hop, hop, deux, hop. Hop, 3, hop, hop, 4, hop, hop, 5, hop, hop, 6, hop, hop, 7, allez, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop, 10. Ok, 10 les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 3. C'est parti. Ouais, il nous en reste une dernière. Et on est bon. Une dernière, on est bon. Mais ouais. Là, le mois d'août, on se prépare. On se prépare. Donc, là, pour chercher des clients, pour ceux qui ont des projets, des trucs, des vidéos à faire, pour promouvoir leur secteur d'activité, eh ben, c'est le bon moment. Et je suis là pour ça, prendre ce qu'il y a à prendre financièrement parlant, et ça va aussi me faciliter dans mon déménagement. Parce que, oui, un déménagement, ça coûte cher, ça coûte très cher, sachant que dans ce que j'ai, ben, j'ai une pièce, une chambre dédiée à mon activité sur YouTube, mais aussi en tant que vidéaste, un petit studio que je vais aménager, je vais créer ça proprement. Donc voilà, j'ai hâte d'y être et de mettre mes sous dedans. Hop, allons, on y va, c'est la dernière. On fait ça bien. Hop, hop, une. Hop, hop, 2, hop, hop, 3, hop, hop, 4, hop, hop, 5, hop, hop, 6, hop, hop, 7, allez, hop, hop, 8, hop, hop. 9, hop, 10, les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je mets le trait de la victoire, le dernier trait, le trait de la fin. Hop, voilà. On est bon. Bon, j'espère que tu as pu kiffer ce programme dos biceps. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, partage la vidéo, c'est vraiment important. Tu as le code d'âme sur MyProtein si tu veux ce petit short. Très très cool, très agréable, ce short de surfeur comme je l'appelle. Ou alors d'autres compléments hein, pour me soutenir. De toute façon, tous les liens sont en bio. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.